on va voir, on va y jouer, on va montrer. Comme ça, au moins, vous pourrez vous faire votre propre avis sur F-Zero pour savoir si, effectivement, c'est surcoté ou pas. En fait, ça va être le live du jugement de pour Florisson. Si à la fin, on trouve que c'est surcoté, il sera destitué de son rôle de modérateur. On inventera un nouveau rôle en dessous du simple user pour mettre Florisson. Oui, ce sera... Le péon. Le péon. Florisson Trigger. C'était un titre pour te trigger, Florisson. C'est exactement ça. Bon, alors pour le moment, le jeu est pas très beau. Je remarque que c'est vachement polygoneux. Autre chose que je remarque, tout en étant le plus objectif possible, je suis quand même un peu chiant. Pour le moment, tu fais qu'avancer mais sur c'est un normal, terrain, c'est une coupe normale, on est en novice. Il y a même pas d'armes, tu peux pas balancer de carapace. Pour le moment, je préfère le terrain F-Zero de Mario Kart. Est-ce qu'il y a des touches que je dois savoir, genre le frein? Pourquoi tu veux utiliser un frein? C'est moi ou je suis dernier? T'es dernier. Ah, c'est trop compliqué. Je suis dernier. Allez, on va jouer comme Florisson. Comme un teubé max vitesse. C'est ça, comme un gogol. Oh, c'est si rapide. C'est quoi F-Zero? Exactement, c'est... exactement. Répondu à mes questions, je dois rester appuyé sur l'accélérateur ou non, c'est pas l'accélérateur c'est par à coup. Voilà. Comme Naruto à coup. Pardon. Ça se dit pas parce que c'est. Go! Voilà! Ça a pas un peu bugué là? Du tout, non, c'est normal que le terrain bouge comme ça, se construit au fur et à mesure, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'ingénierie. Les fameux ingénieurs de F-Zero qui sont beaucoup trop rapides pour toi, ils construisent le terrain pendant que tu cours. Tout à fait, tout à fait. Ouh! Ah putain, il prend bien son temps pour tomber en plus! Ah là là, c'est à moi du coup? Ça arrive. C'est nul, je préfère Wipeout. On est au DDLC épisode 23 actuellement. Voilà, on a tourné l'épisode 23. Voilà. Alors, moi j'ai envie de faire un petit travail de déconstruction de la vidéo de Brunol. Les personnages qu'il attend dans Smash. Alors, il a pensé à Arkeduke. Dracofeu de la première G en starter feu. Il y a le Amphinobi de la 6G en starter eau. Donc, Arkeduke en starter plante de la 7G, pourquoi pas. Ensuite, il a dit un des personnages de Arms, Springman. Non mais en fait, le gros problème, c'est surtout qu'ils ont dit qu'ils le mettraient pas. Ah. C'est le développeur de Arms qui a dit qu'il pourrait pas le mettre parce que le jeu est trop jeune. Ensuite, il y avait une autre idée. Bon, il y en avait 2-3 autres qui étaient plus ou moins crédibles. Il avait justement Waluigi. Waluigi, ça me ferait rêver. Ça te ferait rêver? You can KO assist trophies by inflicting damage. Ah, il a dit les lapins crétins. Ça me ferait rêver. Ça serait marrant. Ça serait marrant. You'll find a variety of spirits. Peter Dinklage, ce serait vachement bien. Il donnerait des coups de masse avec ses points. Oui. Je vais vomir. Et Non, j'étais juste à côté. On est un peu des connards avec Sayori. Ouais, mais elle le mérite. Elle le mérite. Mario, je vais te raconter mes aventures. Moi, là, alors je sais pas si je la fais bien, mais moi, dans ma tête, la voix de Luigi, c'est genre... Mario. Il a une voix vraiment comme ça, genre... Me so scared. Non, Sonic, il a une voix plus... genre la voix de l'ado cool, c'est genre... Hey, come on, you're too slow. Come on, step it up, Sonic speed. On peut passer sur la conclusion. Alors, ouais. F-Zero surcoté ou pas? Non. Oui. Non. Activez la cloche si vous êtes encore là. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu de l'amour pour le référencement. Regardez toutes les vidéos qui sont disponibles actuellement. La vache. Toutes les vidéos. Je vous embrasse. Des bisous. Ciao tout le monde.